Perfect Blue est un film d'animation thriller du grand Satoshi Kon, nous contant l'histoire de la jeune Mima, chanteuse et idole à succès qui va décider de changer de profession pour se lancer dans le cinéma. Synopsis qui va vite se transformer en décrépitude de la jeune fille, de scènes scénaristiquement à première vue incompréhensibles, et de tracks d'un fan de Mima un peu trop insistant qui n'a pas supporté son changement de profession. Bref, un beau bordel comme à l'habitude de notre cher Kon. Satoshi Kon est un mangaka et réalisateur japonais. Après une phase d'expérimentation, où il bosse notamment avec Mamoru Oshii, il se lance dans son premier film d'animation, Perfect Blue. Un film qui possédera déjà sa patte particulière. Il enchaînera ensuite les films d'animation pour finir par se faire connaître mondialement avec un film que, si vous ne l'avez pas vu, vous avez au moins vu sa couverture, Paprika. L'histoire est celle de la petite Mima, alors chanteuse dans un groupe de musique populaire, les fameuses idoles adulées au Japon. On ne reste pas longtemps connue en tant qu'idole, elle décide donc de quitter son groupe pour se lancer dans le cinéma, d'abord en jouant des petits rôles. Cette décision va décevoir ses fans, notamment un otaku un peu fou sur les bords. Pour se défaire de son image d'idole et percer dans le cinéma, elle va à contre-cœur accepter de tourner des scènes obscènes, comme des scènes de viol. Dans ton corps on fait du sport. Ou encore accepter de poser nue. Elle ne se retrouve plus dans cette version d'elle-même. La suite va alors se dérouler dans une psychose dans laquelle, à la manière d'un David Lynch, les puristes en sueur. Tu m'as mis en sueur. Nous essayerons de distinguer le vrai du faux, de façon à comprendre les terribles événements qui vont suivre. Perfect Blue étant son premier long métrage, il aura une animation parfois saccadée et pauvre par manque de budget, contrairement aux films qui suivront. Ce qui n'empêche pas que le graphisme très réaliste bousculera l'animation de l'époque, car cela se faisait peu. Les films de Kon sont des films qui ne prennent pas soin des spectateurs, le trimballe à droite à gauche, sans jamais lui expliquer clairement. Et cette maltraitance, on la retrouve jusqu'à dans Paprika, où le délire est plus onirique que psychologique. Mais je vous rassure, tout aussi dérangeant. À première vue, Perfect Blue peut faire penser à Black Swan, à un point où cela peut paraître troublant. Certains parlent carrément de plagiat de la part du réalisateur américain. C'est un PD. Évidemment, si vous connaissez Aronofsky, vous vous doutez que c'est plus un hommage à Kon qu'autre chose. Donc si vous avez aimé Black Swan, foncez les yeux fermés vers Perfect Blue. Perfect Blue est un trip assez particulier et très intéressant, notamment la toute fin où, là où tout paraît élucidé, on y retrouve un grain de folie qui va basculer tout notre raisonnement. Une longue critique labyrinthique sur le succès. Avant de trouver la fin que je trouve la plus juste pour ce film, j'ai élaboré un tas d'explications et de théories possibles. Ce qui me fait dire que même si les thèmes forts sont cette glorification jusqu'au boutisme des idoles, le succès et son lot de difficultés comme la jalousie, Perfect Blue, même si sa fin peut être expliquée clairement, est un film, contrairement à ce que disent certains, qui peut être interprété de plusieurs manières différentes. D'ailleurs, ces forumers-là, je peux les battre à main nue, hein, voilà. T'es un PD ? Sans rigoler, je pratique le visionnage de films depuis maintenant 13 ans, des visionnages de thrillers qui retournent le cerveau en parallèle depuis 8 ans, je pourrais. Ainsi que la présentation d'œuvres sur YouTube depuis 3 mois, 1383 vues pour 146 abonnés. J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre, qui me charge, l'esquiver et lui donner des bonnes patates dans la tête. Je le lâcherai pas. À la moindre erreur, le forumer est fini. T'auras toujours des puceaux d'ici pour penser que c'est impossible. Rien n'est impossible avec de la volonté, déjà les amis. Et de deux, c'est pas avec votre corps de lâche que vous allez faire quoi que ce soit. N'importe quel homme un minimum entraîné peut vaincre un forumer avec un couteau déjà. À main nue, c'est pas forcément plus compliqué. Ça demande juste de la technique. Perfect Blue est un très bon thriller, un film qui questionne et qui critique de manière habile. Un film parfois dérangeant, notamment lors de la déchéance de Mima, troquant littéralement son âme au diable pour sa carrière d'actrice. Perfect Blue est le début de la carrière extraordinaire de Kon. Si après avoir vu Perfect Blue vous redemandez un peu de vertige, alors je vous conseille Paprika, un film d'animation qui parfois me hante encore, de ses parades colorées et de ses musiques psychédéliques. Ne vous plongez pas dans le travail de Kon, mais noyez-vous dedans. Bon, puisque ça fait un petit peu longtemps qu'on s'est pas vu, je vais vous faire un petit rappel de dernière minute. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. T'es un PD ? I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie.